Aujourd'hui, c'est un petit tour sur la plage de Banfé. Il y a quasi personne, mais il y a beaucoup de transats. C'est très agréable à ombrager pour marcher. C'est le top. Lui, il a mis des antennes de scarabée sur le camion qui monte jusqu'en haut là-haut. Je sais pas à quoi ça sert, si c'est un décor. Et là, juste à 50 mètres de la mer, on a une très très jolie forêt. Enfin un peu de monde. Ça fait plaisir de voir que ça s'emplit, quoi. Voilà les cars pour les Thaïlandais, parce que là c'est que des Thaïlandais. C'est un coin de tourisme 100% thaïlandais. C'est le Palavas thaïlandais. On a un port de pêche là, sans port d'ailleurs. Enfin, pas sans cochon, hein, sans port en dur. Ils mettent les bateaux à l'eau là, ils vont pêcher et la criée est juste derrière nous. Voilà, ils mettent les bateaux à l'eau comme ça et ils vont pêcher. Tous les bateaux sont là. Voilà, et là t'as l'arrière des boutiques, les arrières boutiques, oui. Ils réparent les filets, ils bricolent et après ils vendent devant. Voilà, et la vente se fait là devant, au bord de la route. Ça peut pas être plus en direct du producteur au consommateur. Là, ils les font même cuire directement, tu peux les acheter cuits. J'adore ce genre d'endroit, vraiment. Thaïlandais, quoi. Un pauvre bébé requin qui a atterri dans les filets. Alors on a des... Je sais, ah oui, c'est des calmars, je crois. Et juste à côté, il y a un tas de petits restos qui font du seafood. Belle petite vue depuis le temple.
offrande pour Bouddha, à manger et à boire. Bouddha est alcoolique, le coquin. Encore un qui a connu les pirates. Celui-là il est bien pourri aussi, il sert d'armoire pour pendre les fringues. Voilà, ça s'est bien rempli là pour venir casser la croûte le samedi midi. Ça fait plaisir de voir qu'en Thaïlande, il y a des maçons qui sont pas plus doués que moi. Oublié le sac à dos, donc du coup on prend un tuk-tuk, enfin une espèce de taxi moto pour aller le chercher.